et de 3 pour le festival In-Out Dance de Bobo-Dioulasso. Cadre de promotion des potentialités culturelles de la région, cette manifestation réunit depuis le 1er février 2016 des centaines de festivaliers, et ce jusqu'au 13. Et pour cette édition, la réflexion était centrée sur la politique culturelle. La politique culturelle, bien sûr, sur quel pied danser? Il faut danser sur le bon pied. Je pense que c'est bien parti. S'ils sont à leur 3e édition, l'initiative en tout cas est encouragée et accompagnée par le ministère, même si cette année ils n'ont pas eu le soutien qu'il fallait pour vraiment dérouler les choses comme ça devait se faire. À cette cérémonie qui a vu la parade des jeunes festivaliers et la prestation des différentes ethnies, un invité de marque. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso estime que la promotion de la danse est un tremplin pour le partage de la culture. Nous vivons dans un village global et nous tous, nous devons travailler ensemble pour essayer de développer, pour essayer de gagner. Mais franchement, de voir les talents qui nous ont été montrés ici, c'est vraiment incroyable. En partant de tout le monde, que ce soit le dernier groupe, que ce soit le groupe de Sourd Niwe, c'est vraiment incroyable de voir ces talents. Ces prestations ont également émerveillé le public de Bobo-Dioulasso, sorti nombreux pour la cause du festival In-Out Dance, un festival qui prend de l'ampleur au fil des éditions.